trop loin. Avec toi, je sais jamais si c'est 1 kilomètre ou 20. Comme quand tu nous avais paumés au Pérou. Tu veux vraiment qu'on parle du Pérou? Me dis pas que tu m'en veux encore pour ça. Mais j'avais 15 ans, Sully. J'aurais dû savoir dès le début que je finirais en prison. Je te rappelle que t'avais pas besoin de moi pour ça. Et puis, je t'ai fait sortir, non? Je t'en sors toujours. Par ici. Ça y est, comme sur les notes de Laurence. Fais-moi un peu confiance, Sully. Je me souviens pas avoir vu ce ravin sur la carte. Ils viennent sûrement de le creuser. Bon. On va trouver un autre chemin. Hé, c'est une flûte de Pan. Par là. Ouvre l'œil. Oh. Je sais pas, petit. T'es sûr que c'est par ici? C'est pas assez vieux pour être un fort des croisades. Je trouve que ça fait plus Renaissance. Me dis pas que t'as encore lu mes livres, hein, Sully. Laurence dit que le château original date du 11e siècle. Le reste est plus récent. Oh. Ah, ça a l'air instable. Sully, c'est ta voiture. Oh, bon sang. C'est une Auburn de 1927. Oui, c'est quoi, monsieur le savant? Un ornement. Tape à l'œil. Seigneur Godefroy, le propriétaire du château, est rentré des croisades au XIIe siècle. Selon Laurence, il ne reste plus du château original que le donjon carré et les jardins. Si Godefroy a ramené des secrets d'Arabie, c'est là qu'on les trouvera. Essayons cette porte. Ça bouge pas? On peut pas entrer par là. Je dois pouvoir grimper vers ce trou. J'en doute pas. Je sais, tu vas rester assis et fumer un autre cigare. Ouais. Bon, mets pas le feu au château. Cette fenêtre au-dessus de toi. Ah, je veux pas me couper. Super, bien joué, gamin. Je reviens vite. Là-haut, il y a des chaînes. Ok, recule. Je vais faire sauter le verrou. Fais en sorte de tirer que là-dessus. J'ai dit le verrou. Ça va? Bon. On doit traverser le château pour atteindre les jardins. C'est là qu'est le vieux donjon. Bon sang, regardez ça. Ugh!
peux pas l'ouvrir, cette foutue poutre m'en empêche. Ouais, on doit faire levier. Tu peux grimper là-haut? Je veux bien. Attends, ça va le faire. Le tour est joué. Ça devrait aller. Sois prudent là-haut. Tout est complètement pourri. On dirait que ces chandeliers servent de poulies. Ouais. C'est sûrement comme ça qu'ils les nettoient. Eh, hey, regarde, il y a un mécanisme là-bas. J'ai une idée. Ah, super. Ah. T'es taré! Fais gaffe, ce truc se décroche du plafond! Allez, c'est parti! Ah, ouais, c'est bon! Voilà, j'y suis. Je me demande où on est. C'est une machine à pop-corn? Bon, trouvons un moyen d'accéder à cette tour. Hey, Nate! Une tour carrée. Plutôt jeune. Ouais. Elle correspond au carnet de Laurence. C'est ça! Cool! Merci. Je crois qu'on peut traverser. Ouais. Ouais. Allez. C'est bon. Ouais. Oh, attention. Merci. Hey, Nate. C'est pas le même symbole que celui de la tour? Ouais. Il doit y avoir une raison. Peut-être un passage secret? Dans une cheminée? Ce sera un coup de chance, pas vrai? Ouais, trop simple. Hé, hey, regarde ces armures. Attends, Laurence a noté quelque chose là-dessus. Eh ben, un passage secret. Ok, je pousse, tu tires. Est-ce que t'es prêt? Attends, 1, 2, tirer ou 1, 2, 3, tirer?
contente-toi de tirer. Oui. Nate ? Hey, ça va ? Ouais. Ouais, ça va. Hors de question que je retourne là-haut. Je passe par là. Retrouve-moi de l'autre côté. Essaie d'être prudent là-bas. Bon. S'il y a un autre côté... Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je dois pouvoir passer. Dieu merci. Une sortie. Bon, je dois pouvoir escalader. Trop facile. Oh. Oh, merde. Ils sont pas loin. Trouvez-les. Sully. Merci pour le cadeau, les gars. Ah.
Ça va péter. Oh, oh. Je l'ai pas vu venir. Et par ici. Désolé du retard. On dirait que Marlowe a emmené une putain d'armée. Ouais. Le bus vient d'arriver. Ils ont dû nous suivre. Je vois que ça. La tour est juste là. Il faut qu'on rentre. Okay. Allez, Sully, aide-moi à ouvrir. Ok. Bon, par où on va? Hé, hey. Matza. C'est quoi ce délire? C'est un homme de Talbot. C'était. Mais c'est impossible. Ils viennent d'arriver. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? J'en sais rien du tout, mais j'aime foutrement pas ça. Hé, hey, les dalles s'enfoncent quand tu marches dessus. Je vais rester ici pour pas risquer de marcher sur un truc. Bonne idée. Laurence mentionne ça dans ses notes ? Je vais voir. Il faut peut-être marcher dessus dans un certain ordre.
Est-ce que ça va être long? Parce que je fumerais bien un cigare. Je fais du mieux que je peux, Sully.
Bravo! On voit rien ici. Tu nous éclaires? Ok. On dirait un genre de laboratoire, hein? Hé, plus de lumière, Sully. Bien joué. Un laboratoire d'alchimiste. Attends un peu. Ce lieu te rappelle pas quelque chose? Ouais, la planque sordide de Marlowe, maintenant que tu le dis. Sully, c'est le labo de John Dee. Aussi loin que ça? En France? Il a dû remonter jusqu'aux croisades, grâce aux indices, comme Laurence. Hé, hey, regarde. C'est encore du sabéen. C'est quoi ces symboles? On dirait qu'il cherchait une solution. Il y a une sorte de message écrit ici, en énochien. Tu pourrais le décoder? Je vais voir. L'hôtel garde l'entrée des enfers. Eh bien, il conjurait les esprits grâce à la magie. Ouais, à moins que l'hôtel cache un passage secret. Ah. Bien. Aide-moi à pousser. Et regarde un peu ça. Ce vieux fou est très malin. Merci bien. Oh, et voilà. Éclaire-moi. Ouais. Ah, c'est bien mieux. Tu sais, un jour, il va falloir que tu penses à prendre tes propres allumettes. De quoi tu parles? Wow. Il voulait empêcher un truc de rentrer. Ou de sortir. Hé, hey, viens m'aider. Je l'ai. Et voilà. C'est la crypte familiale. Pas de Godefroy doit être par ici, non? Faut espérer. S'il avait des infos sur l'Atlantis des Sables, il est mort avec. On va essayer de trouver la tombe. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Un jeu médiéval? Plutôt élaboré? Ouais. Qu'il essayait de résoudre l'énigme sans y arriver. Tu trouves? On dirait qu'il est dans aucune de ces cryptes. Non. Sa tombe doit être cachée. Cherche encore. Thank you.
Bien joué, petit. Oh. Ça fait envie. Fais attention. Seigneur Godefroy, je présume. Le seul et l'unique. Ça y est. Tu peux me tenir ça? Ouais. Regarde, c'est une sorte d'amulette. Il y a un truc décrit. Tu vas faire ça sur la tête de Lancelot, hein? C'est un texte sabéen. Oh, ça doit provenir de l'ancien Yémen, non? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au XVIe siècle. Ce serait le nom d'une cité? Ouais, il y a 3000 ans de ça. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en Syrie. Ouais, et que Cutter et Chloé la trouveront. Ah. Je vous le déconseille. Merde. Bon travail, monsieur. Harris, veuillez soulager monsieur Drake de son artefact. Ouais, Harris. Essayez. Cette bague vaut pas la peine de mourir. Votre ami a l'air d'accord. Allez, Nate. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Dans la lumière. Prenez-le. Allez, vite. Non! Enlève-le! Vite! Enlève-le! Votre torche est en train de s'éteindre. Je vous souhaite bonne chance. Quelle ordure! C'est clair. Bien. Il faut qu'on sorte d'ici et vite. T'éloigne pas. Merde! Ma torche va s'éteindre! Il faut qu'on dégage.